ici n'est pas le petit cœur d'Occitanie, ça cache seulement ou protège compagnie de Samuel Beckett. L'exemplaire que j'ai en main a d'abord été en possession du comédien Pierre Dux, qui jouait la figure solitaire dans l'adaptation scénique de cette œuvre réalisée pour le Festival d'automne à Paris en 1981. La sélection des fragments pour le spectacle a été approuvée, voire choisie, par l'auteur lui-même, avec des coupes, notes, annotations, etc., faites par Pierre Dux. Samuel Beckett m'a ensuite donné cet exemplaire en 1987, lorsque j'étais en train de préparer ma propre adaptation des compagnies pour la radio allemande à Stuttgart et Baden-Baden. Par la suite, Claire Aveline, avec laquelle j'avais fait plusieurs projets Beckett et avec laquelle surtout j'ai vu en 2006 la production de Fin des parties au théâtre de l'Athénée, avec Thierry Bosc dans le rôle de Ham. Donc Claire a transféré cet exemplaire à Thierry lorsque ce dernier a, son tour, abordé une production des compagnies avec Jacques Nichet en 2015, je pense. Voilà, c'est donc une pièce à conviction qui prouve sans aucun doute l'existence de tout un réseau de trafiquants de Beckett. J'ai le grand plaisir d'accueillir Claire Aveline, comédienne, et Thierry Bosc, comédien. Cet après-midi, nous allons parler de l'œuvre de Samuel Beckett vue depuis la perspective de ceux qui apparaissent devant le public sur scène. Le cas de Beckett est particulier. Dans ses œuvres classiques, telles que Godot, Fin de partie, La dernière bande, même Oh le beau jour, il y a encore des personnages qui interagissent entre eux en quelque sorte de manière réaliste. Dans son œuvre tardive, en revanche, le monde sur scène a été sévèrement réduit. Les protagonistes ne devraient en théorie être représentés sur scène que par une partie du corps humain, comme la bouche dans Pas moi ou la tête dans Sept fois. Mais même si l'acteur n'incarne plus un personnage, même si le protagoniste semble réduit à une partie du corps, le comédien ou la comédienne doit pourtant y être sur scène, non seulement avec son esprit, mais aussi avec son corps entier. C'est là tout le paradoxe sur les comédiens, pour évoquer Diderot, bien beckettien. Je suis arrivé, je savais tout. Oui. La troisième fois, parce qu'on a répété 2 semaines une première fois, 3 semaines, 2 ans après. 1 an après, et 2 ans après, une seule semaine. Et paf, Et 4 jours. avant la création, une Oui. seule semaine, oui. C'est complètement dingue. Alors qu'au départ, il y avait un décor, il y avait. À la fin, il n'y avait plus rien. Il y avait une chaise qu'on ne voyait pas, donc j'étais un peu assis dans le vide, dans le noir, quoi. Et puis, il n'y avait que des projos, et voilà ce que j'ai expliqué. Mais je suis arrivé. Et je lui ai dit, il était comme ça, il était mal. Et je lui ai dit, Jacques, On file. si tu veux, moi je sais ce qu'on pourrait faire,
On a ma voix, elle est enregistrée, tous les grands passages magnifiques. Mmh. On a tout. Si une telle est d'accord, on fait ça et on fait un filage. J'essaye de ne pas me planter. J'y suis arrivé, je fais tout. Et après, il me dit, bah, bravo, mais c'est pas ça hein, du tout. Alors, c'est pas ça du tout. Oui, Beckett a été une étape très importante dans ma vie d'actrice. J'ai découvert Beckett à l'école grâce à Jean-Claude Fall. Et je crois que c'était la première fois que j'étais confrontée à une écriture que je n'ai inconnue totalement. Je ne savais pas comment, par où prendre le texte. Et puis, en fait, le premier texte que j'ai étudié, c'est « Pas ». Et là, en fait, c'est par la forme que je suis arrivée à rentrer dans l'œuvre, déjà en répétant beaucoup, beaucoup, beaucoup les marches de cette... À l'époque, moi, j'étais jeune fille, mais le personnage a 40 ans. Et petit à petit, en épousant la forme du texte, je suis rentrée dans la possibilité de comprendre l'état du personnage, cette femme avec sa mère. Depuis, ça a complètement changé ma façon d'aborder les textes. Je crois que j'ai un goût absolu pour partir de la forme de l'écriture et que le sentiment, les émotions et le sens se révèlent petit à petit. Maintenant, j'allais dire 30, 40 ans plus tard, je peux dire que j'ai compris aussi quelque chose sur Beckett en travaillant à partir du monologue intérieur de Christian Loupa. J'ai compris que Beckett, en fait, décrivait le flux mental de l'être humain et que dans ce flux mental, il y a toujours, c'est lié à la mémoire et à l'imagination, il y a toujours des fictions qui apparaissent. C'est ça que font les personnages de Beckett. Et quand on joue, on doit rentrer dans cette pensée-là d'être traversé sans arrêt, par un flux mental, par ce que dit Christian Loupa, le monologue intérieur, et des débuts de fiction. Et comment je suis arrivé à Beckett ? Eh bien, c'est assez étrange. Je travaillais depuis 11 ans, c'est pas mal, 11 ans, avec une équipe, le théâtre de l'Aquarium, une équipe assez connue en France. Et quand je suis parti, le premier rôle qu'on m'a proposé, c'était Vladimir en attendant Godot. Et à cette époque-là, moi, je dois reconnaître que j'étais, on pourrait dire, assez ignorant sur le grand œuvre du grand Sam. Et je suis arrivé au théâtre pour répéter, et à ce moment-là, j'ai compris que contrairement à la troupe, je n'avais plus rien d'autre à faire que de jouer, de faire l'acteur et non pas tout le reste. Et j'étais assez ignare et je me suis plongé dans le, on va dire, dans le grand bain beckettien en lisant plein de choses, en lisant des articles, en essayant de rattraper mon retard. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, Thierry, lis ses romans. Et ça m'a plus apporté que tout ce que j'ai pu lire comme article de presse, comme écrit d'exégète, qui est très intéressant tout ça, les biographies, tout ça. Mais alors, quand j'ai lu ses romans, j'ai d'abord retrouvé des choses que j'avais lues dans ces pièces. Voilà. Et de là, c'est parti.
Jouer Beckett et jouer d'autres dramaturges, je ne sais pas, Goldoni, Marivaux, Shakespeare, Racine, c'est assez différent. Parce que déjà, ce sont des dispositifs, en tous les cas pour les pièces non classiques, extrêmement contraignants. J'ai commencé par pas. Puis comédie et pas, il y a une marche obligatoire avec des arrêts, c'est très très contraint dans l'espace. Comédie, on est enfermé dans une jarre, on ne doit pas bouger et on est éclairé par un projecteur et dans un état réflexe, on doit répondre et ceci de plus en plus vite. Et puis j'ai joué aussi Pas moi, Bush. Alors là, on est enfermé dans une cagoule et éclairé par une lumière personnelle qu'on s'allume soi-même. Et puis, la bouche se met à parler avec une rapidité incroyable et on est perdu dans l'espace. On n'a aucun repère dans l'espace ni dans le temps d'ailleurs. Et on est complètement perdu. C'est-à-dire, Beckett nous met par son écriture, dans une expérience très particulière à laquelle il faut répondre. Et c'est comme si on plongeait dans le vide, on est dans un état panique, et puis malgré tout, on a notre petite tête pensante qui doit avoir la géographie mentale de l'œuvre et pour répondre à ces contraintes qui sont diaboliques. Mais au bout du compte, c'est jubilatoire. Alors, il y a déjà un grand problème, c'est celui de l'apprentissage, car comme on n'a pas de repère d'espace, d'action, tout doit se passer dans la tête. Donc, l'apprentissage est difficile. Alors, moi, j'utilise plein de techniques d'écrire, de le dire en faisant ma vaisselle, des actions concrètes, en mouvement, en marchant, dans le métro. Il y a plusieurs techniques d'apprentissage. Mais au bout du compte, par exemple, Bush, je crois que jamais j'ai réussi à dire Bush sans aucune erreur. Mais ça, je ne le dis pas, personne ne s'en aperçoit, mais j'espère y arriver un jour. Je voudrais rejouer Bush à l'âge du rôle, c'est-à-dire dans une dizaine d'années à peu près. Voilà ce que je peux dire. Oui, j'ai eu l'énorme chance de jouer à des années-lumière de distance les deux rôles permanents en attendant Godot, à savoir Vladimir, Didi et Estragon, Gogo. Je jouais ça avec un comédien qui s'appelait, d'abord je jouais Vladimir et l'autre s'appelait Jean-Claude Frissons, et très longtemps après, j'ai donc joué avec Gilles Arbonnat. Et j'avais eu l'occasion de jouer avec ce Gilles Arbonnat l'extraordinaire fin de partie du même Beckett. Et au départ de cette production de Godot, ben, je devais jouer Pozzo. Ça allait de soi. Et le metteur en scène, Bernard Lévy, a eu la bonne idée de se dire, mais ce serait peut-être plus intéressant de garder le couple qu'on avait dans Fin de partie et en quelque sorte de le retourner, si je puis dire. À savoir, j'interprétais âme paralysée, aveugle dans son fauteuil, et mon fils était joué par Gilles Arbonnat, Claude. Et là, c'est Gilles Arbonnat qui interprétait Vladimir et moi, Estragon Gogo. Les moments les plus incroyables dans ma vie, ça a été Beckett, hein, peut-être Thomas Bernhardt. Et enfin, mon premier seul en scène, d'après un livre de Appenfeld.
et qui s'est doublé d'un autre seul en scène, Compagnie, j'y reviendrai, de Beckett. La date, il y a eu des dates comme ça incroyables où on a repris les deux pièces de Beckett et on jouait dans la même journée En attendant Godot, puis fin de partie. C'était au théâtre de l'Athénée ? C'était au... Non, ce n'était pas au théâtre de l'Athénée. Au théâtre de l'Athénée, on a joué 15 jours en attendant Godot, puis 15 jours fin de partie. C'est pas pareil. Quand on attaque, par exemple, pour ma pomme, quand on attaque Gogo sur sa pierre, rien à faire, et juste après, on attaque âme dans son fauteuil, sous un drap, sous un mouchoir ensanglanté pendant tout le début du spectacle, ça n'a pas du tout la même portée. On passe de l'un à l'autre, et moi, j'avais une frousse immense d'avoir des problèmes de mémorisation, hein, tout simplement. Est-ce qu'on aborde Beckett par le raisonnement ou par la musique? Ça, c'est... Il y a deux choses. Pour le travail de répétition, il y a la nécessité que tout devienne concret. Et aussi, comme on n'a pas de repère, par exemple dans un texte comme « Pas moi », il y a la nécessité, qui fonctionne avec des boucles, il y a la nécessité de découper le texte en séquences, de séquencer la partition. En fait, c'est comme une partition musicale, mais à l'intérieur de ça, il y a des mouvements. Et ça, c'est un repère pour l'interprète extraordinaire. Mais après, quand on joue, on doit se mettre dans la situation du personnage qui essaie de comprendre qui il est, où il est, ce qu'il a à faire, comment il va sortir de cette dérive mentale. Et il se raccroche à son histoire, d'ailleurs... Pas moi, ça commence même, elle repart de sa propre naissance et par flash, des petits flashs de mémoire, et petit à petit elle essaie de reconstituer son existence, c'est presque kaléidoscopique, et dans ce puzzle, il y a effectivement des motifs musicaux. Dans Pas, que j'ai joué il y a très très longtemps, j'ai la musique qui s'est déterminée au cours des répétitions, je peux lire des fragments et j'ai la musique qui me revient. Par exemple, je vais commencer l'épilogue. Épilogue. Un peu plus tard, lorsqu'elle était tout à fait oubliée, elle se mit à... Un peu plus tard, lorsque c'était comme si elle n'avait jamais été, ça, jamais été, elle se mit à rôder. La nuit venue se glissait dehors, la nuit venue, et dans la petite église... par la porte nord, toujours verrouillée à cette heure, et rôdait, allant et venant, le long du pauvre bras sauveur. Certaines nuits, elle se figeait comme quelqu'un glacé par un frisson de l'esprit, et restait privée de mouvement jusqu'à ce qu'il revienne. Mais nombreuses aussi étaient les nuits où elle allait sans trêve, allait et venait, avant de disparaître comme elle était venue. Quand j'ai joué mon premier Vladimir,
c'était encore une autre histoire. C'était pas la frousse de jouer dans la même journée les deux spectacles. Non, non, c'est que je me sentais tout petit. Et que je me sentais, d'ailleurs j'étais trop jeune, et je sentais que j'étais un peu ignorant sur Beckett. C'est bien après que j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont enrichi. Et puis l'âge, ça fait que c'est quand même plus facile, si vous connaissez un peu bien ces pièces-là, de jouer ces deux personnages, non ? Oui, quand j'ai joué Vladimir, trop jeune, mais c'était une belle mise en scène de Claude Hyersin. Ce début m'interrogeait beaucoup. Parce que vous avez Gogo, que je ne jouais pas encore, que j'ai eu grand plaisir à jouer plus tard, qui essaye d'enlever sa chaussure. On ne saura jamais s'il joue la comédie ou pas. On ne saura jamais s'il a vraiment mal aux pieds. T'es d'accord ou pas dans ses chaussures, mais en tout cas, après beaucoup d'efforts et de hâtement, ça se termine par rien à faire. Et moi, jeune comédien encore quand même, j'avais cette fameuse première réplique de Vladimir, je commence à le croire, j'ai pourtant bien, j'ai pourtant résisté à cette pensée en me disant « Vladimir, tu n'as pas encore tout essayé » et je reprenais le combat. Mais moi, ce qui m'interrogeait, c'était « c'est quoi le combat ?» Donc ces interrogations comme ça, « c'est quoi le combat ?» Et ça m'interrogeait vraiment beaucoup. Bien plus tard, ben, je me suis dit, mais c'est beaucoup plus simple, très simple. Et puis, il y a aussi, chez Beckett, des choses inouïes. Dans l'une et l'autre pièce, je ne parle pas de compagnie, c'est encore autre chose, il y a une alternance, je n'ai pas peur de le dire, de presque gags. De suites de répliques comme ça, qui sont presque des gags, suivis de monologues poétiques, mais terribles. Par exemple, il y a toute cette histoire dans fin de partie, je vais le reproduire approximativement, de Clove qui dit « Oh, ça alors, quoi ? J'ai une puce, une puce !» je ne sais plus ce qu'il dit là, c'est très important. Bref, va chercher la poudre. Et le personnage de Clove sort, une puce, et là, le personnage de Ham se pose des questions sur le monde est fini, etc. L'autre revient, et comme le personnage de Ham est aveugle, l'autre dit toujours ce qu'il fait. « Je reviens avec la poudre !» Et l'autre lui dit « Fous-lui en plein la lampe !» Il ouvre son pantalon, il fait tomber la poudre, et « Tu l'as eu ?»« Je crois qu'elle est coïte. »« Coïte ? Quoite, tu veux dire ? Ah bon, on dit quoite, on ne dit pas coïte ? Mais voyons, sinon, nous serions baisés. » Le corps dans Beckett, c'est très très particulier parce que il y a besoin, par exemple, pour un morceau comme Pas moi, d'une extrême rapidité, d'une extrême précision, mais aussi une précision mentale, une acuité mentale. Il y a besoin que ça aille très très vite. Quand j'ai repris, quand 10 ans passent et en fait on est un petit peu plus lent. Quand j'ai joué la dernière fois Pas moi, c'était en Allemagne, à Zurich. Et avant moi, il y avait une jeune femme... À Fribourg, il y avait une jeune femme qui a dit ce morceau en suisse-allemand, je crois. Et elle était absolument virtuose. Mais moi, j'avais choisi
au lieu de faire 13-14 minutes, peut-être 15 minutes. Un tempo un tout petit peu plus lent pour arriver à une vérité humaine un tout petit peu plus, un peu plus grande, en fait, d'être plus en accord avec moi-même, parce que la difficulté, c'est de ne pas être trop orgueilleux, et même, bon, on arrive, on a fait le travail au maximum, et puis on arrive le jour J, et de ne pas être trop présomptueux. Mais de toute façon, Beckett indique qu'au départ, on peut improviser sur les éléments donnés par le texte. Et je pense, peut-être pas cette fois-là, mais la première fois que j'avais fait pas moi, que je m'étais complètement perdue dans les boucles et puis que j'avais essayé de me rattraper. Je vais vous donner un petit extrait pour vous expliquer la difficulté. Aucune sensation d'aucune sorte, mais les paupières, même temps normal, qui les sent s'ouvrant, se fermant, toute cette humeur, mais le cerveau, toujours, toujours suffisamment, ça oui, alors à ce stade, en état de marche, pour en douter même de ça, car ce matin-là d'avril, ainsi qu'il résonne, ce matin-là d'avril, elle fixant de l'œil une lointaine clochette tout en lui courant sus, la fixant de l'œil pour pas qu'elle lui échappe, ne voilà-t-il pas que tout s'éteint de soi-même, toute cette clarté, sans aucun de sa part, ainsi de suite, à l'avenant, vaine spéculation, et pas un bruit, tout silence de tombe quand soudain elle, le bourdon, oui, silence de tombe, à part le bourdon, soi-disant, quand soudain, elle, sans venir des... Quoi ? Qui ? Non ! Elle ! Sans venir des mots, imaginez, des mots, une voix que d'abord, elle ne reconnaît pas depuis le temps, puis finalement doit avouer la sienne, nulle autre que la sienne, certaines voyelles, jamais entendues ailleurs que dans sa bouche à elle, tel point que les gens lui béaient au nez, de stupeur, les rares occasions, deux, trois fois l'an, toujours l'hiver, allez savoir pourquoi, et maintenant ce flot continue, elle qui n'avait jamais, au contraire, pratiquement muette, toute sa vie, à se demander comment, quel miracle, elle avait pu survivre, même faisant ses courses, sortie faire ses courses, foule les chalands, supermarché, tout inscrit sur un bout de papier, vieux cabas noir, puis attendre, planté là, tout le temps qu'il faut, milieu de la cohue, immobile, les yeux dans le vide, bouche bée comme d'habitude, qu'on vienne le lui remettre, le cabas dans la main, puis payer et partir, pas seulement merci, à se demander quel miracle, et maintenant, ce flot, ne comprenant rien, pas la moitié, pas le quart, aucune idée de ce qu'elle raconte, imaginez, aucune idée de ce qu'elle raconte, si bien que la voilà, essayant de se faire croire qu'elle n'est point à elle, point sa voix à elle, et il serait sans doute arrivé, le fallait à tout prix, il était presque, au bout de quels efforts, quand soudain elle sent, peu à peu elle sent, ses lèvres remuées, imaginez, ses lèvres remuées, comme jusque-là, bien sûr, pas question, et pas que les lèvres, les joues, la mâchoire, toute la face, toutes ces, quoi? La langue, oui, la langue dans la bouche, toutes ces contorsions sans lesquelles aucune parole possible, et cependant temps normal, totalement inaperçu, tant on est braqué sur ce qu'on dit, l'être tout entier pendu à ses paroles, si bien que non seulement elle doit non seulement renoncer, la reconnaître pour sienne, la voix pour sienne, mais avec ça encore une idée effrayante, ou bien après, brusque illumination, encore plus effrayante si possible, que la sensation revient, imaginez, la sensation revient, partant du haut, puis gagnant vers le bas, la machine tout entière, mais non, au moins ça, que la bouche, la face, jusque-là, puis se dit, ou bien après, brusque illumination, ça ne peut pas durer. Tout ça, flot continu, la lutte pour saisir, en tirer quelque chose, et ses propres pensées, en tirer quelque chose, tout ça, en... quoi ? Le bourdon, oui, tout le temps le bourdon, soi-disant, tout ça ensemble. Imaginez, tout le corps comme on allait, rien que la face, bouche, lèvres, joue, mâchoire, pas une... quoi ? Langue, oui, bouche, lèvres, joue, mâchoire, langue, oui, bouche, lèvres, joue, mâchoire, langue, pas une seconde de répit, bouche en feu, flot de parole, dans l'oreille, pratiquement dans l'oreille, n'y comprenant rien, pas la moitié, pas le quart, aucune idée de ce qu'elle raconte, imaginez, aucune idée de ce qu'elle raconte, il ne peut arrêter, impossible d'arrêter, elle qui est un instant avant, un instant, rien plus sortir, pas un son, aucun son d'aucune sorte, la voilà qui ne peut arrêter, imaginez, ne peut arrêter le flot, et le cerveau plus qu'une prière, là quelque part une prière, à la bouche, pour qu'elle arrête, un instant de répit, rien qu'un instant et pas de réponse, comme si elle n'entendait pas, la bouche ne pouvait pas une seconde, comme folle, la bouche devenait folle, tout ça ensemble, la lutte pour saisir, attraper le fil, et le cerveau, plein d'élire, là aussi, à vouloir y trouver un sens, ou y mettre fin. Une voix parvient à quelqu'un dans le noir. Imaginez. Une voix parvient à quelqu'un sur le dos. Dans le noir. Le dos, pour ne nommer que lui, le lui dit. Et la façon dont change le noir quand il rouvre les yeux. Et
encore quand il les referme. Seule une infime partie de ce qui se dit peut se vérifier, comme par exemple lorsqu'il entend « tu es sur le dos dans le noir ». Là, il ne peut qu'admettre ce qui se dit. Mais de loin, la majeure partie de ce qui se dit ne peut se vérifier, comme par exemple lorsqu'il entend « tu vis le jour, tel et tel jour ». Il arrive que les deux se combinent, comme par exemple « tu vis le jour, tel et tel jour ». Et maintenant, tu es sur le dos, dans le noir. Stratagème, peut-être. Visant à faire rejaillir sur l'un l'irréfutabilité de l'autre. Voilà donc la proposition à quelqu'un sur le dos, dans le noir, une voix égrène un passé. Sur Compagnie, c'était totalement différent. Compagnie n'est pas un vrai texte de théâtre. Il a été proposé par Beckett à Pierre Dux. Et également David Warilow, un comédien que j'adorais, l'a joué, mais il était déjà très malade. Hein, là, tout à coup, non seulement on est seul, mais Jacques Nichet, le metteur en scène, c'est son dernier spectacle, m'avait dit on respectera, j'aimerais qu'on respecte le fait qu'il y ait une voix, qui sera la tienne, bien sûr. Donc j'ai enregistré ces merveilleux textes, et c'est cela que le comédien a envie de dire, d'abord. Et puis j'ai appris à aimer, respecter cette règle, à écouter ma propre voix, et à chercher, moi, en live, avec le public, à chercher d'où vient cette voix et à imaginer que peut-être cette voix s'adresse à quelqu'un d'autre ou à plusieurs autres personnes, donc peut-être que je ne suis pas seul. Cette pièce, ce texte est assez magnifique et se termine par, naturellement, la solitude absolue. Mais moi, plus j'avançais, et plus je n'aimais pas ce que j'entendais enregistrer, j'avais envie de le reprendre, de le réenregistrer. En revanche, mon questionnement en direct, il était présent et il se bonifiait, évidemment, pas la voix enregistrée. Et j'étais de plus en plus furieux qu'on ne puisse pas la reprendre. Oui, il y a eu des représentations exceptionnelles avec pas moi. On avait travaillé avec Marek Dzierski pour le festival de Zurich où j'accompagne et puis aussi au festival de Cracovie. Alors à Zurich, j'avais voyagé avec Serge Merlin qui jouait le dépeupleur d'une manière prodigieuse et c'était la première fois que je jouais pas moi. Alors c'était la dérive totale, mais c'est un souvenir inoubliable d'une expérience d'actrice complètement démente, d'être aussi perdue, mais d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui est jubilatoire, comme si on vivait un cauchemar, mais on savait qu'on allait se réveiller, et quand on se réveille, on est heureux. Et puis, il y avait Cracovie quelques temps plus tard,
où j'allais jouer avec Park et une comédienne aussi qui jouait en anglais, une comédienne polonaise. Donc on était dans une immense salle, dans trois coins de la salle, et les trois Pamois se sont succédés. D'abord, je crois que c'est moi qui commençais, puis en polonais et enfin en anglais. C'était extrêmement intéressant d'entendre les trois langues. Et ça s'est reproduit aussi à Fribourg, où il y a eu l'anglais et le suisse-allemand. Et entre-temps, pour entretenir la pièce, le rôle, je l'ai joué dans différents lieux singuliers, dans des appartements où j'avais mon casque, ma cagoule, le maquillage, et j'avais un interrupteur, et je m'allumais, les portes s'ouvraient. Je m'allumais et je jouais ça devant des gens qui étaient à 1 ou 2 mètres en appartement. Et une autre fois, je l'ai fait aussi sur le seuil d'un château, dans un festival dans le Trièves, en France, à Mins, et devant une assemblée d'enfants et de villageois, en fait, les gens, les festivaliers. Et le lendemain, je suis allée voir un autre spectacle, et un monsieur qui était avec moi, on attendait l'entrée du spectacle, et puis je lui demande, alors ça se passe bien le festival? Et il me dit, ah oui, hier j'ai vu une chose extraordinaire, une bouche qui parlait. Alors je lui dis, bah c'était moi la bouche. Alors là, il était tout étonné, c'était drôle. Et puis aussi, ça c'était mon rêve absolu, de jouer bouche dans un théâtre, comme c'est indiqué, à 3 mètres de hauteur, et dans un théâtre avec une grande ouverture de plateau. Et ça s'est produit à la première de quelques mots sur le silence, où ça commençait par bouche, dans une salle de 450 places. On était déjà dans la jarre de comédie, donc il y avait les trois jarres sur scène, et je commençais par bouche, puis. À la suite de ça, il y avait les trois têtes de comédie, et ensuite je descendais de la jarre et je disais la dernière phrase de l'innommable. Et c'est un souvenir incroyable de sentir l'énergie de 450 personnes qui étaient rassemblées sur ma bouche. C'est un souvenir vraiment physiologique de cette sensation-là, d'une puissance qui était générée par la focalisation du tout le public sur ma petite bouche. Et en tous les cas, je pense que ça a fonctionné. Il y a eu un débat après et les gens disaient des choses extraordinaires sur cette bouche parlante. Ils avaient vu un poisson, un sexe, la bouche tournée. Enfin, c'était fou. Oui, moi, j'ai parlé de compagnie et de la difficulté de mémoriser après avoir bien assimilé ce magnifique texte sur la solitude. Mais je n'ai pas eu, comme toi, Claire, à jouer des choses qui, techniquement, sont beaucoup plus contraignantes, quoi, hein. Des pièces comme pas, comme même comédie, c'est des choses déjà beaucoup plus complètes. Puis il y a cette pièce-là où ce n'est que des descriptions, c'est-à-dire il n'y a pas de parole, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est quand même. J'ai quand même joué Fun Party et Godot qui sont. Je dirais des pièces avec des personnages. Voilà, c'est quand même. Et une certaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine concrétude dans la poésie absolue. Une grande satisfaction lorsque Barbara Bray est venue voir quelques mots sur le silence qui était composé de bouche, suivi de comédie et la dernière phrase de l'innommable en pied. Ce jour-là, il y a eu énormément de rires. J'étais extrêmement bien accompagnée par Valérie Blanchon et Christian Montout, qui étaient tous les deux très drôles. Et ce dimanche-là, il y a eu énormément de rires et Barbara Bray était
aux anges. Elle a dit, mais c'est la meilleure représentation que j'ai vue de comédie, si drôle. Et aussi, quand on l'a repris au Colombier, elle est venue répondre à des questions et elle disait tout le temps, elle disait, mais avec Beckett, on s'amusait tellement. C'est un merveilleux compagnon. On riait beaucoup. Et c'est vrai que parfois, les dispositifs de Beckett sont très contraignants. C'est très difficile à apprendre. On est là avec une peur panique avant de commencer. Mais on rit tellement intérieurement à se retrouver dans ces situations impossibles. Et il y a les partenaires, malgré tout. On est seul dans notre jarre, mais c'est choral. On est tous les trois dans la même situation à jouer ce vaudeville beckettien, la femme, la maîtresse et l'homme. Et on s'amuse beaucoup. Et je sors de ce fil-là, j'ai pu me dire... bravo, mais non, c'est pas du tout ça. Parce que il n'y a pas l'humour. Et tu peux le faire. Il faut qu'il y ait l'humour absolu. Là, tu étais tellement sérieux. C'est tellement triste. Et il est parti.